Ça va, bon après-midi de tout, bonsoir. Et là, ben, vous allez rentrer et ne vous discutez pas l'examen, je vous dis. Correct? Voilà, ne coule pas rentrer. Non, t'as coup pas rentrer. Voilà, ben, vous allez qui rentrer. T'as l'air d'avoir été ici en cours de temps. Maintenant, papier l'examen, nous commencer. Voilà, nous minimise les. Nous allons discuter un peu papier l'examen, là, nous retourner avec nos chapitres qui nous super préfère. Espérer d'y ouvrir. Pas ouvert. Ok, allez. Kawal peut rentrer, non, cause elle peut rentrer. Voilà. Nous pas fait l'examen, pas encore ouvert même. Admit, c'est mes enfants là. Ok, il n'est pas fait l'examen, il n'est pas allé ouvert. Bon, il a cause elle peut rentrer, mais j'espérais qu'elle va rentrer vite. Et tu allais nous faire la tendance là. Hein? Allez, me réouvrir papier l'examen là, mon coach peut gagner une difficulté pour ouvrir. Non, pas ça, ça. Ça, ça. En PDF. Voilà, ça va appeler l'examen. Correct? Allez. School certificate, classified, topic by topic. Ne vous guettez un peu question l'examen. Voilà, ça c'est mon chapitre, premier chapitre, binary, hexadécimal. Voilà, première question que vous pouvez discuter avec Z. On prend une question simple. Correct? On va prendre une question trop compliquée. Appeler l'examen, ne peut discuter. Nous prenons une question simple. Voilà, nous prenons une question bien bien simple. Voilà. Correct? Allez, nous quittons une écoute. Novembre 2015, écrire le cahier. Novembre 2015, papier 12. Correct? Allez, prends-lui. Nous vous travaillons sa question là. Correct? Novembre 2015, papier 12. Pas nécessaire copie tout parce que c'est une bouclette. J'ai acheté cette bouclette là. Si je n'ai pas gagné, dis-moi quoi pour les autres. Mais pas pour gagner, copie tout. Mais au moins copie l'année là, qui l'année y était. Les autres capables dans l'autre papier là, le cas de travail. Ok? Allez, nous prenons sa question là, nous essayons de travailler là. Hein? Allez, nous essayons de nous guetter combien parmi les autres capables de travailler. Novembre 2015, papier 12, parce qu'il y a un lien pour commencer à faire papier d'examen à ce terme. Nous guetter comment ça a déroulé. Et mon pays record dans cette session là. On voit pour les autres dans YouTube. Allez, nous commençons là. Hein? Nous commençons à corriger là. Hein? Nous sommes ici en cause de l'épée attendre pour rentrer. Nous finissons par y rentrer. Admit ça. Ok, view. Voilà. La plupart des élèves viennent rentrer. Je tiens ma caméra et nous commençons le travail. Correct? Voilà. Et nous ouvrons le papier d'examen là. Nous sommes côté d'arriver. Voilà. Voilà. OK. Allez, nous commençons. Convert the following. C'est-à-dire l'année de décret de notre cahier. Quelle année nous devons faire, mon enfant? Novembre 2000. C'est vraiment plus de travail. J'ai un arrêt de travail. Plus de travail. Novembre 2015, papier 12. Question 4. Un arrêt de travail, plus de travail. OK, un minute. Voilà, nous commençons à travailler. Allez, convert two hexa and hexa numbers into binary. Bon, tu en as 7. Bon, 7 c'est n, d, 4, 8. Je vais dire 4, d, n, vers 7. C'est bon là? Bon, déjà là c'est a. Voilà, ça c'était 7. Ça maintenant a. A c'est quoi? N, d, 4, 8. Je vais dire 10 ça. A, 10. Correct. Bon, si mon vieux farce libre ou ben, vous plus bien comprendre, vous référez bien. Ok. Allez, suivre là. Hein? Bon, j'espère que je vais suivre et noter d'un cahier. Correct. Voilà. Nous reprenons bien. Voilà, 7. Et connaissez comment il y a 7 N, D, 4, 8. Je veux dire 4 D, N. Le A. A, N, D, 4, 8. A représente 10. Je veux dire 8 avec D. Correct. Le F. N, D, 4, 8. F là représente quoi? Ça n'a qu'à dire moi.
Je vais suivre là. F15. Ouais, bien bon. F, c'est 15. Et N par 2, 8, 4, D, N. Correct? Allez, ça n'en finit. Lettre E. E représente quoi? Si F est 15, F est égal à 15, E représente quoi? 14. Très, très bien. Bons enfants, 14. Allez, Nouvine, ça n'a représente E là. Hein? E, 14. Il y a N, D, 4, 8. 8, D avec 4. Ça fait 14, ça vient d'un goût? 8, D fait 10, 14. Allez, le 3. N, D, 3, 4. Il y a 3. Non, on fait erreur, on fait erreur. Ouais, ouais. N, D, 4, 8 là. Hein? Correct. Moi, ça représente 3 là. Hein? 3. D avec un nom? Correct? Allez, le D. Alphabet D. A, B, C, D. Ouais. 13, très bien. 13 veut dire N, D, 4, 8, veut dire 10 plus 4, comment fait ça? Il y en a 8 plus 4, fait 12. Non? Plus 1, 13? 8 plus 4, pas fait 12, 12 plus 1, fait 13. Ok? Bon, ça c'est première partie. Première partie, nous gagnons 4 points pour faire ça. Mais, deuxième partie, il dit à toi comme ça, now perform N logic. Bon, N logic, je ne peux pas encore expliquer ici, mais je peux expliquer avec sa DPA of number là. Je peux expliquer, je sais suivre, nous allons essayer de comprendre. Ok, qui veut dire N? N veut dire multiplication. O veut dire addition. Ok, on peut faire ça, on peut expliquer. N veut dire multiplication. O qui veut dire addition. Correct, on peut expliquer, je ne peux pas faire dans ma classe, mais nous gagnons ce numéro là ici. Nous peut essayer de travailler, nous allons essayer de faire ça. Correct? Allez, right. Je vais donner une petite explication ça un opérateur. Nous avons deux opérateurs. Un appelle O. O qui veut dire addition. Correct? Addition qui veut dire si tu gagnes 0 plus 0, il vient 0. 0 plus N, il fait toi N. N plus 0, il fait toi N. N plus N. N plus N, ouais, il fait toi 2. Mais c'est moi, de addition, tu peux ajouter, tu peux faire ta N. Correct? Il peut faire ta N. Parce qu'il peut faire ta 2. Il veut dire N plus N fait ta 2. Mais tu ne peux pas écrire 2, tu peux écrire N. Il veut dire, si tu regardes bien, O veut dire ajouter. Maintenant, N, on explique ça là. Hein? O veut dire ajouter plus. Mais il ne demande pas nous N, O ici, il demande nous N. Ok? Et N dit. Et N dit veut dire multiplication. Qui veut dire multiplication? C'est un 0 multiplié par 0, réponse 20. 0. 0 multiplié par N, il fait toi 0. N multiplié par 0, il fait toi 0. Et N fois N, il fait toi N. Voilà, les enfants, là, tu faisais connaître ça des tableaux pour répondre à sa question. Maintenant, de l'examen, qui lui demande toi? N au producteur. Qui lui demande toi? N. Correct? Oui. Ouais, ouais, il est bon de dire moi. Ok, noir zut zut. Merci beaucoup. Allez, il y a 4 enfants d'avoir été en groupe, noir zut zut. Correct, nous allons faire l'examen, je vous ai connu dans l'examen comment la question se posait. Allez, nous vous disons de rentrer, c'est maintenant l'enfant là pour nous capables de suivre par ça. Correct, allez, laisse maintenant rentrer. J'espérais dire correct, hein. Tu devrais checker si il y a encore des élèves, attendez-moi de faire ma connaissance, arrêtez de faire ma connaissance. Allez, la plupart des élèves viennent rentrer là, hein. Allez, nous continuons là. Nous allons faire papier d'examen là. Attendez. Ça me close. Papier d'examen, non, ça me close. Et on a une frise là qui est arrivée là. Voilà, moi là. Correct pour Vanzele qui ne fait que rentrer. Voilà, tu peux discuter ça. Correct, c'est un élève, attends moi de dire là. Maintenant, nous avons ce chiffre là. F, suivez ça bien. F A7 avec D 3 E. Nous pouvons faire qui opérateur devant nous? N opérateur. Qui veut dire N opérateur veut dire multiplier. Veut dire que là, ça nous peut servir, cette table là. Correct? Veut dire 0 fois 0, 0, 0 fois n, 0, n fois 0, 0, n fois n, n. Maintenant, suivre. N fois 0, combien vous donnez-moi? Dis-moi d'autre, d'après la table là. 0. Ouais. Qui opérateur je peux faire? N. N qui veut dire multiply. N veut dire multiply. Correct là, il est bon là, multiply. Maintenant, n fois n qui je peux gagner là? N. N fois N encore qui nous gagne N. Et, ouais, allez, suivez bien. 0 fois N. 0. 0 fois N.
0. N fois n, n. 0 fois 0, 0. N fois n, là, n fois 0. N fois 0. Non, n fois 0. 0. Checké. N fois n, n. N fois 0. 0. N fois n. Encore une coûte qui nous a dit n fois n. Voilà ce qu'il nous fait. Nous avons number 1 et nous avons number 2. Qui opérateur nous fait n. N veut dire multiplier. Multiplier. Veut dire n fois 0, 0. N fois n, n. N fois n, n. 0 fois n, 0. 0 fois n, 0. Veut dire qui opérateur nous appelle n. S'il veut dire n dans l'examen qui nous fait, nous prenons chaque bit, nous multiplier, nous faire multiplication. C'est moi si dans l'examen, mon parti dit n. Je dis o. Vous trouvez là o. O qui veut dire. A dit ajouter. Les là où tu viens ajouter chaque bit. Correct? Allez, nous continuons la question. Quelle année nous avons discuté? Novembre 2015, papier 12. Question 4. Correct? On nous discute les mauvais records vidéo là. Maintenant, partie, deuxième partie, sa réponse qui nous gagne là. Qui peut dire nous faire ça? Il peut dire nous faire ça en hexa. Allez, travaillez, moi, j'ai une réponse de diamant qui ont gagné. Les mots corrigés. BD6. Allez, ben, j'ai les. Allez, DD6, je vais vous dire 1, 2, 4, 8. Ça, Livine, 4 avec D, fait 6. Ça, N, D, 4, 8. Ça, Livine, 2. Et ça, Livine, N, D, 4, 8. 8 plus 4 fait 12. 12 plus N fait 13. Et 13, c'est D. Voilà, D, 2, 6. Réponse est D. 2 et 6. Bon là, tous enfants? Allez, voilà mon mot. Je dans l'examen comment je gagne une question et comment travailler. Et là, dans un emprunt, une autre affaire, il y a un opérateur appelé N. N veut dire multiplier. Et un autre opérateur veut dire OR. Mais dans ce là-bas, il y a encore un opérateur pour cet emprunt, on appelle ça NOT. Ok, NOT. Il est capable de sortir dans l'examen. NOT. Voilà, NOT veut dire so contrary. Qui veut dire NOT? Contrary. Qui veut dire contrary? Veut dire reverse. Contrary. Contrary veut dire si il est 0, il est n, et si il est n, il est 0. Correct? Ça veut dire not. Allez, je vais vous expliquer pour les élèves qui ne pas trop comprendre. Je vais dessiner en cause de l'élève rentré dans le nom. Allez, right. Je vais expliquer. Je explique. Voilà, je vais dire à enfants qui m'ont expliqué. Operators. Je explique operators. Correct? Allez, nous essayons de faire un coup. Pour les élèves qui me comprennent, qui m'ont dit, nous avons operators. Operators, trois qualités operators, bon dia. Bon dia, O. O qui veut dire addition. Et l'autre qui veut dire N. Qui veut dire N? Multiplication. Oui. Multiply. Multiply. C'est mon service à symbole astérix ça. Et N2 appelle ça not. N-E-T, hein, mon mari, ça. Not. Il veut dire ce compliment. Compliment. Il veut dire le contraire. Bon, je vais réécrire O. O qui veut dire 0 plus 0, il fait 0. 0 plus N, il fait toi N. Ok, N plus 0, il fait toi N. Et N plus N, il fait D, ne pas écrire D, il fait N. Multiply, 0 fois 0. 0 fois 0, il fait 0. 0 fois N, il fait toi 0. N fois 0, il fait toi 0. N fois N, il fait toi n. Veut dire dans le cas n et n, non, o, o. O qui veut dire, ensuite, veut dire partout du vine n, excepté le 0, 0, le vine 100. Et dans n, partout du 0, zis le n, n, le vine 100. Mais les contraires, not. Not, c'est le 0, le vine n, et c'est le n, le vine 0. Veut dire sur le contraire. Voilà mon explication, c'est mon opérateur. Maintenant, nous retournons avec nos questions à l'examen. Quand là, les bonnes questions à l'examen, nous verrons retourner, nous expliquer aux élèves et nous faire un papier d'examen pour eux, pour montrer aux autres comment nous faire ça. Voilà, nous retournons avec nos papiers d'examen. Voilà, nous peux discuter de ce papier d'examen. Novembre 2015, quand nous tenons des chiffres, nous faisons une binary, hexagon binary, nous appliquons un opérateur et nous convertons ça en hexadécimal. Maintenant, nous faisons un autre numéro. Correct, nous faisons notre numéro là. On pourrait donner un numéro facile, pas trop compliqué, vous êtes capable de faire. Ok, ok, ok.
Et nous avons un numéro un peu plus facile, vous êtes capable de faire. Que ne pas gagner de difficulté. Voilà. Allez, Jean 2016, papier 12. Correct là, les enfants? Allez, c'est fait, allez, mon vite, vite. Il y a convert sa hexadécimal number là en 12 bits binary. Correct? Allez. Correct là, nous c'est fait, nous guettons. Allez, c'est un petit peu de travail, non? On pose question, non? Je tune prend dit 4AF. Correct, 4AF, c'est Jean 2016, papier 12. Mon petit qui va nous aider, petit travail, je tune écrit 4AF. Ok, nous petit qui va nous aider, suivre. 4AF. Ok. Bon, operators vont finir expliquer, vous allez qu'ils suivent, ils comprennent. Operators vont finir expliquer 4AF maintenant. Allez, nous guettons qu'ils allaient pour gagner sa réponse. Hein. 4AF. Il dit l'année, c'est papier d'examen, vous pouvez montrer, vous allez voir. Qui papier d'examen, nous pouvons discuter. Ok, voilà. 4AF. Juin 2016, papier 12, question 3. 4AF. Ok, nous demandons aux élèves, nous demandons à Balgoban, nous commençons par F. Correct, la Balgoban, F. F là, lila. Correct, F c'est qui chiffre? F c'est combien? Allez, allez. Vous avez tant de moi là ou c'est fini? 15. 15, bien bon. F c'est 15. N, D, 4, 8. Bon, comment tu gagnes 15? C'est mettre un NN. Correct là? Après ça, déjà, j'ai besoin A. A, c'est quoi? 10. 10, c'est 8 avec 2. Correct là? Ça représente A. Ok, non, plus vite. Vous faites bien compliqué là. Ça représente A. Ça représente F. Qui restait pour représenter Astéa? Diamant? 4. N, D, 4, 8. C'est-à-dire 0, N, 0, 0. Bon, ça va vous. Allez, allez, maintenant, moi, vous compliquez la question. Là. Moi, je vais prendre la question B. Là, moi, je vais inventer une autre question. Là. Moi, je vais dire, convert sa 4AF là en, ici, base 16. Là. Ça me fait une base D. C'est-à-dire 0, N, 0, 0, N, 0, N, 0. Regardez un coup de bon là. N, N, N. Les base D. Correct? Base D. Vous pouvez déjà faire une base 10 à ce temps. Il travaille une base 10, hein? Sorry. Base 10. Correct? Allez, faites une base 10. Qui chiffre vous êtes gagné? Checkez si vous avez fait une erreur à copier. Allez, vite, vite, nous faisons une base 10. Ok. Allez, je travaille là, on vous demande cette question là, qui donne là. Il fait une base 10, on va vous avoir une réponse. Allez. Allez, on finit. Et nous allons finir, mais vous voyez là qu'ils allaient suivre la classe là. Correct. Allez, sinon les autres gagnent la vidéo là. Allez, nous regardons là. Et nous allons finir. Bon, faites une barre 10. Qui te mettait? Te mets ce colonne là. Ça qui est uni. N, 2, 4, 8, 16, 30, 64, 128, 256. 512. Après qu'il devine 1024. C'est bon là? C'est quand même good? Il n'y a rien non? Allez. Il y a une fois ajouté. C'est 1024. Ajouté avec 128. C'est quand même good qui fait 1024 là. Qui fait 128 là. Plus 30.
correct, plus 8, plus 4, plus D, plus N. C'est bon là? 8, 4, D, N. Bon, réponse combien nous gagne? Chacun goûte. Nous gagne N, N, Nif, Nif. N, N, Nif, Nif. Allez, moi, c'est ajouter moi 1024, plus 128, plus 30D, plus 8, plus 4, plus D, plus N. Donc, N, N, Nif, Nif. Correct? Allez, maintenant, est-ce qu'il tient une autre façon de faire Ali? N, N, Nif, Nif. N'oubliez pas si nos réponses bon. Allez, qu'est-ce que ça là, ça? Correct? Mais tu peux travailler une autre façon. Mais tu peux mettre 4 à F. Il a barre 16. Hein? Nous mettons ce power. Il vient N. 16. 256. Nous multiplions par ce power. Allez. N fois F. N fois F qui veut dire. N fois F. N fois. N fois F. F là qui dit ça. 15. N fois 15. 15. Correct. A c'est 10. 10 fois 16. Fait 160. 4 fois 256. Vous pouvez quitter si vous avez la même réponse. 4 fois 256. 256. Ouais, c'est égal à 1024. Ajouter, nous avons supposé qu'il y a la même réponse. 1024. Ok. Il y a la même réponse. 1024 plus 160 plus 15. Nous avons la même réponse. Nous avons. Allez, peut-être qu'il y a deux façons pour faire ça. Soit au passeport là. Soit au passeport binary qui est déjà calculé faire là. Maintenant, une question difficile. Je vais regarder combien d'élèves qui suivent mon classe, dernière classe, je ne connais pas. Je vais dire convert ça en BCD. Si je ne suis classe. BCD. Regardez combien d'élèves qui ont fait ça. Allez, right. Pas de problème. Mais il y a des élèves qui suivent sa classe BCD là. Et si jamais pas suivre la classe BCD, je pourrais faire une petite révision là, BCD. Correct? Allez. Si jamais quand j'ai fait des BCD. Bon, je vais faire une vidéo, je vais vous dire, vous avez vidéo là, ce n'est pas pour perdre. Correct? Allez. Faire ça, je vais poser les questions là. Comment convertir ça en BCD? Correct? Parce que je vais faire une classe là, tous compliment, le BCD, je pourrais faire. Mais là, nous vais. Allez. Je vais vous demander cette question là, à Ayush Siborot. Comment convertir ça en BCD? Nous vais vous demander cette. Et là, personne bâti là, moi aussi je bâti là. Vous êtes connaissant, moi aussi je bâti là. Personne bâti là. Allez là. Allez, je vais faire dire BCD. Bon, BCD, enfants, chaque digit qui est dans la base 10, tu as besoin d'écrire en 4 bits de ça. Mais c'est que mon vidéo, je bâti là. Je vais reprendre la vidéo là, qui était. Hein? Allez, chaque digit qui est là, suivre. Continue à aller là. Côté disparaît là. Binary coded decimal. Je vais faire une vidéo, je vais déjà fini faire, mais c'est bon, pas grave, je vais faire. Ok, je vais expliquer les BCD là, hein, correct. BCD. Bon, qui veut dire BCD? Binary coded decimal. Ok, binary coded decimal. Je vais dire, le convert base 10 binary. Ok, le faire binary. Vin BCD, get comment vous faire, binary vin BCD, vous écrire comme ça. 0 de base 10, vous écrire comme ça. En BCD, vous écrire 4 bits, vous écrire en 4 bits binary. BCD, vous écrire en 4 bits binary. N, vous écrire comme ça, divine N là comme ça. D, vous écrire comme ça, divine là, ça D. Ça 3, 0, 0, N, N. Y a aller jusqu'à 9. 9, nous écrire 8 avec N. Là comme ça. 9, 8 avec N fait 9. Mais, si jamais nous avons un code en bas là, 10 pas existé, ça est là comme ça. 8 avec D, ça pas existé, on appelle ça invalid code. Invalid code. D'habitude, pas existé ça. 11, ça aussi pas existé. 12, ça aussi pas existé. Et jusqu'à qui, là, il y a des comme ça, FF, 15 pas existé. Mais il y a ce code là, on appelle ça invalid code. Maintenant, je vais donner une question pour que vous compreniez plus bien. Dans l'examen, il y a ta convert. Par exemple, moi, je vais donner un tel. Il y a convert. Suivez ça bien. Convert and shift, disons, binary.
to BCD. Correct? Je vais vous donner 15. D'abord 10. Je vais vous faire divine BCD. Tout simplement, qui t'en a offert, tu écris 5 là, oh, binaire. Voilà. N, D, 4, 8. Je vais dire 4 avec N. Correct? Et N là, tu écris N, D, 4, 8. Je vais dire 0, 0, 0, N. Je vais dire 0, 0, 0, N. Ça, c'est ce N. Ça, N là, représenté là. Et ça, 5 là, il est représenté comme 0, N, 0, N. Correct? Maintenant. Une minute en zut. Oui, voilà, un NZL, une avouée réponse en BCD. Ou du dan suivre la classe. Correct? Très très bien. Ou du dan finir avouer ma réponse. Mais nous continuons pour le banzélé qui parle suivre BCD. Je vais dire BCD est différent avec binary. Ça, BCD ça. Mais en binary, comment tu peux dire? En binary, il est comme ça. Base 2. Il est comme N, D, 4, 8, 16. Il est comme 15, non? Comme ça. Ça, en binary, il est comme ça. Voilà. En binary, il est comme ça, base 2, mais en BCD, il est comme ça. Correct? Allez, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. J'espère que vous comprenez. Correct? Je vais finir d'expliquer ce que mon ancien vidéo. Voilà. Je vais vous donner un chiffre 84. De base 10. Je vais vous faire une BCD. BCD. Je veux dire, ça 4 là, tu peux écrire en groupe de 4. 1, 2, 3, 4. Et ça 8 là, tu peux écrire en groupe de 4. Je veux dire, 4 li 0, 1, 2. Là, ça 400. Et 8 li 100 en plus, non? Voilà. 8 là, li pour 0, 0, 0, n. Je veux dire, ça li représente en BCD. Maintenant, si vous posez une question, représente ça en binary. Le binary, il est pour 1, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Je veux dire, il est pour 0. Je veux dire, 84 tiers 64. Il fait 20, non? Ça vient N, ça vient 0. Tu tiens 16 là-dedans. 8, tiens 1, 1, 4. Voilà. Ça, c'était binary. Et ça, c'est BCD. BCD veut dire chaque digit qui est dans la base 10. Il est créé un groupe de 4. Ça, c'est BCD. Bon, on va expliquer, je vais vous suivre car ça là-bas. Maintenant, je retourne avec mon papier d'examen. Parce que moi, je suis dans mon papier d'examen là. Papier d'examen, je vais faire papier d'examen. On va expliquer comment faire papier d'examen. Côté, tu es papier là, côté n'allez là. Hein, côté n'allez là. Non. Non, moi, je vais faire un papier d'examen là. Allez, nous mettons un coup là. Donc, c'est papier d'examen là, côté disparaît. Comment vous prenez côté était là? Trop vous avez fait un ouvrier là. On m'a fait gagner un livre et dire vous avez réouvert là. Allez, pas grave, on va rien qui fait. Une... Finir, allez, pas fait. Allez, pas grave, m'aurait ouvert dit. Correct? Un peu à dit là. Bon, m'aurait ouvert dit. Malheureusement, vous avez fait un peu de tout. Ok. J'espère qu'il nous vient. Allez, là, un petit peu discuter de ça, papier d'examen là. Voilà. On retourne avec nos questions qui nous disent à zut là. Ok, on fait dire BCD. Nous arrivons à une place. Nous avons un coup de nous reprendre la question là. Voilà, et je note qu'il en est de faire. Voilà, ça nous finit de discuter. Ça nous fait discuter. Bon, c'est qui tient en retard. Ça nous finit de faire. Ok, là, nous prenons une autre question. Nous pouvons discuter. Voilà, nous avons un coup de côté. Nous arrivons à ça. Voilà, ça nous finit de discuter. Correct? Et ça, ça nous a une réponse là avec lui. Allez, c'est une réponse là aussi. Nous allons réécrire. Pour F, voilà, F là. Je vais mettre N, 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 non. Et A, c'est 8 avec 8 avec D, non. Fait 10. Voilà. Et 4, il fait 0, 0, N, 0. Check un goutte. 4. Bon, là. Allez, right. Là, moi, tu poses une question. Fait living binary.
voilà, tu fais ça une binary, non? Non. La leader binary, là, déjà la binary, là. Et nous, tu dis, fais ça une. C'est-à-dire 4AF, nous, tu fais une binary, nous, finis fais. Après, nous, tu fais une base 10. Base 10, nous, tu fais NN. Qu'est-ce qu'il y a? NN, nif, nif. NN, nif, nif. Correct, ça, nous, tu fais une base 10. Après, là, nous, tu fais ça une BCD. Bon, BCD, comment tu peux être? Tu peux 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allez, suivez bien. Je veux dire 9, 8 avec N. Excusez-moi, d'accord, moi. 9, 8 avec N. Checké. Et N. N, 0, 0, 0. Encore une goutte N. N, 0, 0, 0. Je veux dire, ça les représente mon N. Ça les représente l'autre N. Et ça représente mon NIF. Et ça n'a représente mon autre NIF. Mais qu'est-ce que sa réponse là? Sa réponse là, c'est BCD. Il y a BCD dans l'autre syllabe. Hein? Et sa réponse là, là c'est base D, binary. Donc, tu vois, il y a une différence entre binary avec BCD. Il n'y a pas la même réponse. Correct là, mon cas, continue. Je vais dire mon introduit à BCD avec mon introduit à binary. Je te connais ça. Maintenant, nous avons l'autre question. Nous prenons notre papier d'examen et vous discutez. Voilà. Voilà. Allez. Novembre 2016, papier 12. Nous avons l'exemple plus rapide. OK? Lydia, write a dinery. Allez, prends ça vite. Nous avons les élèves suivre sa classe-là. Notez. Nous avons les élèves online. Allez, prends les vite, vite. Nous vous convertons ça. Nous avons les réponses une gagne. Exemple plus rapide. Et un élève infini fait un cas si beau rat infiniment et à l'ingain ouais en BCD oui si beau rat travaille ça ça c'est nif 8 avec un nif 8 avec un nif n oui si beau rat il y a un bon là correct maintenant de continuer ne vais dessiner en cause élevé rentrer non ça c'est mon élève qui est online là. Ok voilà et nous les suivre. Mais déjà, je vais faire la question. C'est difficile, je vais mettre BCD là-dedans. Maintenant, nous vous corrigez ça des voies là. Nous avons des voies que nous avons envie de corriger là. Côté tir. Papier d'examen à côté. Ouais, voilà. Allez, nous demandons aux enfants. Gadada, combien tu as gagné? Allez, Gadada, tu as terminé. Allô. Allez, prends la question là, essayez de faire. Combien j'ai gagné? Allez, 112. Nous avons combien gagné 112? Regarde là. Ça, 16. Correct. 16 plus 32 plus 64. Excusez-moi d'accord. Parce qu'il les reste là, nous multiplions pour 0, 0, 0. Ça sera pour 0. Je vais dire 64 plus 32 plus 16, la réponse. Et 112, on a déjà gagné, nous avons 64 plus 32 plus 16. Voilà 112. Correct? Vous voyez, réponse ici 112. 112. Mais vous connaissez, moi, vous compliquez la question là. Qui m'a vous dit? Écrivez-le en BC? BCD. Allez, écrivez-le en BCD. La ulti base, tout là. Binary. Binary, l'insert base D, il met une base 10 là. Ça, ici base D, là, il met une base 10. À ce moment-là, je vais écrire BCD. Allez, battez vite, vite. Vous voyez combien d'élèves qui ont fait ici? Vous faites une BCD. Bon, et je vais toujours un tigine. Ça D là, nous allons écrire un bit de 4. Ça N là, nous allons écrire un bit de 4. Et ça N là, nous allons écrire un bit de 4. En BCD. Allez, vous voyez un coup de si bon élèves qui ont fait. Bon, D, tu mets un N là. Correct? Ça vient 0, ça vient 0, ça vient 0. N, ça vient N, ça vient 0, ça vient 0, ça vient 0. N, ça vient N, ça vient 0, ça vient 0, ça vient 0. Sa réponse là entier, c'est BCD. Est-ce qu'il m'a expliqué? Et déjà, je comprends où ça non. Ça m'aurait expliqué. Tu sais, je suivre, ça m'a touché là. Allô? Il finit là, zoom là. Ouais.
Ouais, zoom là infini là. Allez, bon, les enfants, on va rentrer là, nous qui t'écoutent. Un share screen. Allez, les bonnes enfants rentrer. Allez, tous les enfants vont rentrer là, le share screen là. Ils ont déjà fait un rendez-vous là, mon gars, là. Ok. Allez, tous les enfants rentrer, nous vous posez d'autres questions là. Allez, ça va rentrer là. Presque les autres, ils ont fini de rentrer là. Encore une dit. Allez, je reviens avec ma question. Il y a encore une DB rentrée là. Ok. Voilà. Ok. Côté de ligne coupée là, je n'ai pas entendu là. Fais-moi connaître une écoute. Allez, je refais à l'IB. Mon collègue finit de couper, je ne vais pas rester expliqué. Et mon explique David là, n'est pas grave. Je refais à l'IB là. Hein? Allez, tous les enfants, une première question là. Je suis désolé pour rester rentré là, mon cause pour rentrer là. Là, mon cause est une rentrée. Allez, reprends la question là, là, mon réexplique-lui. Ok. Créer l'idée de tout ça. Ouais, il y a des élèves qui ont vraiment la réponse là. Je vais corriger là, une minute. Dès que je vais guetter, si tous les élèves sont rentrés dans ta meeting là. Na enzele mou koy pa nou rentre la. Oh, en zis rentre. Gadada en rentre. Ali gadada rentre. Ouais, na zele vin avoye repons sa nou gete. Ok, pas grave. Juda en avoye repons mou pense. Oui, ne kredi abisidi. Bon, get sa. Juda en avoye sa repons sa très très bien. Na zele pe avoye très très bien. Se pe travaye très bien. Get la abisidi. Sa represente D. Sa represente N. Et sa represente N. Très très bien fait pour sa enfant la. C'est ça? Judas, bien bon. Get ça représente 2, ça représente N, ça représente N. Il bien fait à ce numéro-là. Et si Borot, si mon colline envoie moi, nous get un coup. Voilà, ça représente D, ça représente N, ça représente N. Judas aussi, il finit de comprendre qu'il veut dire BCD. Maintenant, je continue ma question. Voilà, je retourne là, ma question va faire l'examen, je vais continuer. Allez, je refais. Tous les enfants rentrer là, c'est qui là. Allez, si quelqu'un a waiting, la ferme à connaître. Il y a quelqu'un a waiting, non. Il y a quelqu'un a... Allez, suivre, suivre. Allez, il y a BCD là, hein. Qui n'arrive au plume, il n'arrête d'écrire. La plume là qui n'arrive. Ah, aïe, aïe, aïe. Allez, pas grave. Allez, vite, vite là, hein. Tous enfants une rentrée, oui, tous enfants une rentrée là. Je crois que personne n'a waiting là. Hein. Allez, nous continuons nos questions. Nous faisons travail bien dur là. Allez vite. Allez, vini, 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 papier, papier bétardé. Quand il est arrivé là, papier là. Qui fait mon pays à dire ça? Qui fait mon pays à dire ça? On va connaître qui fait mon pays à dire. Allez, quand nous sommes arrivés là, il y a un coup de côté arrivé, ça coûte mauvais pays à dire. Allez, right. Novembre 2016, papier 12. On commence le final trop vite là. Ça, oui, allez. Là, allez, je vais suivre là. Bon, là, là, nous avons gagné. Qui chiffre nous avons gagné là? Là, nous avons multiplié. Nous avons gagné 112. Combien nous avons gagné? 112, nous avons gagné la base 10. Ok, ça, c'est la base D. Ça va à 10 et nous fais dire BCD. BCD, tous les enfants qui gagnent bien, ici 0, 0, N, 0. Et ça ici 0, 0, 0, N. Et ça ici 0, 0, 0, N. Et ça te représente N, ça te N, ça va tout ça là en BCD. Maintenant, moi, je vais poser une question difficile. Je vais regarder qui c'est le cas à faire. Écrire ça en hexa. H-I-X, hex. Allez, je vais te répondre. Ça n'a pas l'air de ma réponse vite. Je vais l'exemple rapide. T'as besoin de ma réponse en hex. H-I-X. H-I-X. Hexa. Hexa veut dire 16. J'ai besoin de réponse là d'abord 16. Allez.
Combien again? Non, non, mais il n'y a pas qu'à base 10, 112 et hexa 112 même. T'as trouvé beaucoup de requins rentrent dans la trappe là. Allez, nous guettons. Réponse pas 112. Il n'y a pas qu'à base 10 avec base 16, pareil. Mais je connais qu'il y a erreur de faire. Je fais une erreur bien grave. Comment vous êtes converti en hex? Est-ce qu'il te peut apprendre BC Divine hex? Non, direct pas apprendre BC Divine. Mais il y a déjà le binary là-bas. Prends binary le travail, que tu pas prendre binary le travail. Je m'envoie une rate de pièce. Vrai ou ça menti? Allez, pour te faire Divine hex, tu faisais groupler un groupe de 4. Voilà, tu prends ça binary là qui te travaille. Et sa première réponse là te gagne 0. Et l'autre côté te gagne 7, non? 7. Mais il y a 7, 0 en hex. Comprends-tu? Allez, comment tu connais de réponse bon par bon? Prends ça hex là, fais une base 10. Get un good comment tu gagnes. Prends ça hex là, tu fais une base 10. Ici qui te met n. Ici qui te met 16. N fois 0, 0. 16 fois 7, comment faire? Get un good 16 fois 7. 16 fois 7, comment faire? Allez, il est bon et pas bon. Parce qu'il te prend ça avec ça, tu as fait une base 10. Tu as 112. Ok? Ok. Voilà ce qu'il te prend ici. Tu en prends base D, tu en prends base 10, tu en prends BCD, tu en prends hex. Allez, maintenant, on peut expliquer ça dans le désaffaire. Fais ça shifting. Fais ça shift. Ok? On peut expliquer ça shifting à ce tous les enfants vont suivre. Shifting. Allez, right. On va l'expliquer. Et pendant 15 minutes, pas là, car on vous explique ça ou bien moins. Correct? Shifting. Allez, right. Suivez bien là. Hein? Faut que tous les enfants puissent suivre là. Shifting. S. Ok, shift. S-H-I-F-T. Shift. Nous avons décalé des chiffres. Nous avons shift left. Après, nous avons shift right. Right and shift veut dire multiply. 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 Le shift est bits right, nous veut dire multiply. Le shift est left, nous veut dire division. Division. Right, ça déjà fait là, nous vous expliquer. Maintenant, je prends l'exemple ici, shift est right, nous expliquer. Allez, suivre. Si je dis à toi, suivre ça bien, 0, 0, n, 0. Qui le représente ça? N, D, 4, 8. Il représente D. Bien bon. Maintenant, si je bouge ce chiffre-là, là, ça N là, je bouge le côté droite. Ah, côté droite. Attends, mon frère. Attends, hein. Ouais. Attends, mon frère, là. On va shifter le côté gauche. Mon frère, là. Une minute. Attends, nous sommes ça là-haut, là, une erreur monosphère. Une minute. Attends, nous répondons. Si nous bougeons du côté gauche, ouais. Une minute là, hein, on corrige ça là. On corrige là, on fait. Attends, vous faites CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Allez, une minute. Si vous mettez ça, multiplié là le côté. CTRL X, vous mettez là. Left, veut dire multiply. Allez là. Correct? Allez, nous explique-le là. Shift, nous bouge du côté gauche. Ok? Allez, get bien là. Si je bouge du côté gauche, là, ça N là, vin là. Correct? Moi, je bouge du côté gauche. Et ça 0 là, pour vin là. Et ça 0 là, pour vin là. Astéa, qui reste? Dans l'espace vide là. Vous avez mis un affaire, qui nous vous mettez? Nous mettons un 0 là pour remplacer. Voilà, nous mettons un 0 pour remplacer. Ça chiffre là qui t'y représente, tel, je suis déjà 2. Ça chiffre là qui lui peut représenter, c'est 4. Qui fait les 4? Qui est là où ça N là, vous trouvez? Il y en a 4. Correct? Allez, je vais faire un chiffre, je vais faire one place. One place. One place left. Vidya implies multiply by 2. Il y a 2 min 4.
Maintenant, suivez ça bien. Si vous shifterez deux places. Correct? Si vous shifterez deux places. Mais dire ça, n là, vous vous deux places. N dérivine là. Et ça, vous remplacement 0 là. Qui divine? Il divine 8. Mais dire si vous vous deux places. Tout à l'F. Qui va arriver? Il veut dire multiplication par 4. Il veut dire ici D. 2 fois 4 fait 8. Ok? Allez, nous reprenons lui, nous prenons l'autre exemple, nous pour expliquer. Là. Correct? C'est une autre 5, tu as soit à l'aise de reprendre lui dans l'autre cahier. Ok, je vais reprendre lui, je vais réexpliquer ça bien. Correct? Voilà, je vais réexpliquer. Je vais reprendre mon explication bien. Voilà, je vais faire chiffre. S-H-I-F-T. Nous avons décalé des chiffres. Nous avons left shift. Après, nous avons right shift. Ok, left shift veut dire multiply. Multiply. Et right shift veut dire divide. Division. Bon, pour expliquer tout ça, on prend l'exemple. Correct? On prend 0, 0, 0, n. Correct? On met sur heading. Sur heading, là-haut, mettons, on met n, d, 4, 8. Qui chiffre lui représente ça? Il représente n. Est-ce qu'il est d'accord? Oui. C'est tout la même. Maintenant, si je shifte ça n là, n place to the left. Je vous dis n place to the left. Get living là. Correct? Je remplace ça par 0 qui reste là. 0. Qui est-ce que vous depuis n qui est venu? Get là, living d. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nous multiply by 2. C'est-à-dire, un shift one place to the left. Voilà. C'est-à-dire, one place to the left. One place left implies multiply by 2. Maintenant, si je shift et déplace, regarde ici là, hein? Regarde là, je réponds. Je suis là. Si je vous dis déplace. Voilà, divine n place, déplace, divine là. Correct. Et si nous nous bougeons là-bas, qui est venu? Il est venu 4 astères. Veut dire les 2 places left implies multiply by 4. Si nous bougeons 3 places, voilà. Voilà. 3 places. On va faire une erreur là, non? Il y a une erreur là. Là, attends, il y a un erreur là. Ah non, non, il est bon là. Ça élimine 2. Ça élimine 2, ça élimine 4. Maintenant, ici, il élimine 8. Il veut dire 3 places to the left implies multiply by 8. Allez, une petite question. Question. Correct. Allez, suivez sa question là, vous voyez comment élèves vous répondre. Moi. Mettons maintenant 0, 0, n, 0, 0, n, 0, n. Combien de bits il fait? 4 et 4. Mon chiffre, two places left. Allez, two places left. Mais déjà ça n là, il peut sortir, il peut venir là. Ça 0 là, il peut sortir, il peut venir là. Et ça n là, il peut venir là. Et bon là, il y a un coup de déplace. Ça bouge là, ça bouge là, ça bouge là. Ça vient 0, et ça n là, il peut venir là. Là où qui chiffre était, nous avons un coup qui chiffre était. N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Dit 32 plus 4 plus n, comment il fait 32 plus 4 plus n. 37. Allez, en bas, qui est venu? Il supposait déplace tout à l'F, veut dire multiplié par déplace tout à l'F, veut dire multiplié par 4. Ok, veut dire 37 fois 4, tu supposais gagner la réponse. 4 fois 7, combien fait-on? 148. Attends, attends. Ouais, 28. 148, ouais, 148. 37 fois 4 fait 148. Ok? 37 fois 4 fait 148. Allez, nous gagnons un coup de sinon, gagnons 148 ici. N, D, 4, 8, 16, 32, 64,
128. 128 plus 16 plus 4, comment fait-on? 128 plus 16 plus 4, il fait 148. Les comptes sont bons. Je veux dire, je vais shifter tout places to the left. Je veux dire, je vais faire multiplication par 4. Correct? Maintenant, il y a une general formula, les élèves qui ont écrit. General formula, c'est quoi? C'est dépend combien de chiffres, autant il faut multiplier. Je veux dire, si mon chiffre, disons, dépend, on va dire x bit. X place to the left. On ne connaît combien de places. Il y a n places, il y a 2 places, il y a 3 places. C'est-à-dire dire x places. Qui dit que multiply by 2 to the power of x. Il y a une multiplication de 2 to the power of x. Il veut dire si il y a n places, si il y a n places, il veut dire multiply by 2. Si il y a 2 places, il veut dire multiply by 2 to the power of 2. Il veut dire 4. Si il y a 3 places, il veut dire multiply by 2 to the power of 3. 2 to the power of 3 veut dire 8. Correct? Et sa même affaire là, les nous faire sur right, il veut dire division. Maintenant, nous allons dans nos questions d'examen, nous guetter si vous êtes capable. C'est bon, avant dans la question d'examen, tu peux envie ré-simplifier. Ok, mon envie simplifier. Mon envie écrire ça general rule là, mon record ça dans VB, dans ça, sorry, dans Zoom, je vais travailler les chiffres. Ok, on met là left. Left qui veut dire multiply. Right qui veut dire division. Il y a one place left. Veut dire multiply by 2 to the power of 1. Veut dire 2. Two places left. Suivez ça bien. Il y a 2 to the power of 2. Veut dire multiply by 4. Multiply ça, hein? Multiply. Three places left. Il y a 2 to the power of 3. Il y a multiply by 8. 4 places left. Il y a 2 to the power of 4. Il y a multiply by 16. Maintenant, si moi tu fais shift to the right, il y a 1 place right. 1 place right. Qui est-ce que tu peux venir? Tu peux venir divide by 2. 2 to the power of 1. Il y a 2. 2 places right. Et tu peux divide by 2 to the power of 2. Et tu divide by 4. 3 places right. Et tu divide by 8. Et tu as 2 to the power of 2. Là, tu as 2 to the power of 3. 4 places right. Et tu divide by 16. Et tu as 2 to the power of 4. Correct. Voilà. Maintenant, il y a des élèves dans le waiting, mon conseil. Je sais mettre les en dedans. Si il n'y a pas de récit suivre classe là, qui fait le waiting là? Si vous êtes dans le waiting. On pas trop lire là. Si vous êtes, mon papa connaît qui fait les papiers rentrer. On ne connaît pas si Ayush qui fait 24 rentrer. Allez, on ne connaît pas qui fait 24 rentrer. Allez, pas grave. Nous continuons là, nous guettons. Nous pouvons réavoir les vidéos. Et comment il a waiting? Il n'y a pas ajouté. Bon, on ne trouve pas le waiting. Bon, moi, je vais trouver Ayush là-dedans, il demande de wait, mais on ne trouve pas lui là. Ok, maintenant, on va faire la question d'examen là, hein, shifting. Je crois que là, on va pas trouver lui ici, mais il y a une vidéo là après, si jamais il est raté. Allez, tu es d'accord, moi, qui nous a fait ce papier d'examen là, shifting, je vais décider de comprendre ce qui veut dire shifting. Ça, c'est summary. Left shift veut dire multiplier, right shift veut dire diviser. Si les bouts n place, ouais, c'est n rentré là encore. Allez. Bon, Ayush est rentré là, je pense qu'il est joining.
Et Ayush déjà fini personne ne vous fait ce papier d'examen directement. Vous pouvez joindre. Oui, Ayush ne nous explique shifting, nous explique left shift, get sa table. Et nous fait left shift, veut dire multiplication, et nous fait right shift, veut dire division. Si nous bouge n place left, nous disons multiplier par 2. 2 place left, multiplier par 4. 3 place left, multiplier par 8. 4 place left, multiplier par 16. Si nous bouge côté droite, veut dire division. Veut dire n place to the right, veut dire divisé par 2. 2 place to the right, divisé par 4. 3 place to the right, divisé par 8. 4 places to the right divisé par 6. Maintenant, nous faisons un papier d'examen. Je vais faire un papier d'examen. Nous guettons. Voilà. Nous guettons ce papier d'examen là. Écoute. Voilà. Ça, papier d'examen. Correct? Allez. Nous guettons combien d'élèves qui ont fait ça pour moi? Correct? Tous les enfants l'aiment là. Hein? All the bits in the registers are shifted one place to the right. Allez, right. One place to the right, qui veut dire multiplication ou sa division? Réponds. Division, bien bon. Allez, là-haut qui chiffre l'outil était avant? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Veut dire l'outil 64 plus 32 plus 16, l'outil était. Combien tu étais là-haut? 64 plus 32 plus 16, combien fait ça? 64 plus 32 plus 16. Tu fais toi 112, non? Ça, c'est 112. Dépendez de nous, sa question là, nous ne pouvons pas guetter là. Maintenant, dites là qui nous vient. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Mais il y a 64 qui nous 32, ça veut dire ça arrête à 64 là qui nous vient 32. 32 là qui nous vient 16. 16 là qui nous vient 8. Mais si c'est 112, qui est-ce pour venir d'après eux? Réponse qui est-ce pour venir? 56. Ouais, tu es enfin comprends comment il est venu? Parce que ça, 64 qui est venu. Il est venu 32. 32 qui est venu? 16. 16 qui est venu? 8. Et là-haut, si tu as de tout, 64 plus 32 plus ça, il est venu 112. Puis 112, il est venu divisé par 2. Il est venu 56. C'est-à-dire, what binary number is represented after shifting? Il est venu 56. Réponse. Il dit 112, il dit 56. Veut dire right shift, one place. Right shift veut dire divisé. Mais one place, get bien, hein? One place left veut dire division par deux. Si jamais tu as deux places left, qui veut-tu venir? Deux places left. Et tu fais division par quatre. Si tu as trois places left, left, et tu fais division par huit. Et si tu 4 places left, si tu 4 places left, fait division par 16. Veut dire any place x, n'importe combien place libre est bougé. Le type de division par 2 to the power of x. Est-ce qu'ils ont un comment? Allez, right. Maintenant, ça c'est left. Hein? Si tu right, le type de division, le type de multiplication. Tous enfants comprennent? Le type de multiplication. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a? State the effect of shift of the shift to the right on the original binary number part A. Ça part A là. Attends, part A l'indé, non? Pas ça là, non? Original shift. Binary number part A. Allez, part A, non de part A. Ce binary number, il peut shift qui l'indé, non? Là. Allez, ce binary number de part A qui t'était? 112, 112 là. Allez, 112 qui l'india, chiffre qui dit. Allez, 112 qui l'india, chiffre. Réponse à 112 là. L'india prend 112, chiffre qui dit. Combien place? L'india, state the effect of shifting right on the original. Let the shift right, qui veut dire multiply. L'ipou multiplication, multi. M-U-L, multiply, il peut être multiplication. Qui peut aider? And multiplication, si nous shifter to the right. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ok, il peut être multiplication. Et attends, moi, il fait rien. Attends, moi, il fait rien là-haut là? Mais là-haut là, qui m'en fait là? Moi, shifter to the. Là ou là, bon là, mon. Non, one place to the left. Qui m'en fait? One place to the left.
Non, non, là où ça explique, sa explication qu'il m'a donnée là, où là, m'a fait rire là. One place to the. Moi, tu me disais. Attends, elle m'a pas fait ce gain de confusion là, non? Là où qu'il m'a. Ouais, là, m'a fait rire là, mon con. One place to the left, le mauvais bouse left. Left, nous, tu faisais. Multiply là, mon con. Là, m'a fait rire là, dans cette explication là, incorrigible ça. Il y a one place to the left, tu faisais multiply by two, multiply by four. Non, attends, left, ouais, left multiply. Ok, left multiply. Et, attends, attends, ne réponds pas là. Bon, là-haut, question là qui nous fait. Nous bouger to the right là-haut là. Ça nous fait right shift là. Allez, ne récorrigez là. Là-haut, nous bouger côté droite. Non, nous bouger côté droite. Là, nous bouger côté droite. Qu'est-ce qu'il veut dire? Division. To the right, veut dire division. Ok, il est bon là. Right veut dire division, il est bon là. Ah, il est arrivé là. Il est stop là, quand il est arrivé là. Attends, attends, c'est bon là. Une minute à zut. Le répondit là. Si le nœud s'encourt là même. Puis là, on finit farci là. Non. Continue à aller. Allez, peint là encore ouvert là. Ouais, allez là, regarde là. Il y a un coup de Simon Ferrer. Léa nous bouge côté left. Veut dire multiplication. Du bon sens. Léa nous bouge côté right. Veut dire division. Du bon là. Correct là, peint là, il là. N plus to the left veut dire multiplication. N plus to the right veut dire division. Allez, right. Ça explication là, bon là. Hein? Maintenant, nous retournons avec nos questions. Nous faisons un coup de si, côté de faire là. Question là, côté temps. Question là, côté d'aller. Ça coûte question là, mais disparaît. Ça ne baise. Allez, right. Question là, côté d'aller. Question là, ne disparaît pas dire moi. On vous a réouvert, hein, là. Allez, pas grave, nous reprenons là. Hein? Il y a un petit peu par chance là. Allez, il me rappelle qu'il me remonte à arriver. Bon, je viens de comprendre qu'il y a des shifting là. Shift right, shift left, je viens de comprendre. Nous avons fait le numéro là bien là. Ok, nous reprenons un petit peu par chance. Ouais, là. Allez, nous reprenons là pour les élèves qui ne viennent pas comprendre. Ok, ça c'est N, D, 4, 8, 16, 32, 64. Et là, nous avons 64 plus 32 plus 16, il fait 112, non? Combien il fait 112, enfant? Allez, ça, il fait 112. 112, là, moi, shift T, qui est là, 64, il vient. N, D, 4, 8, 16, 32. C'est là, waiting room? Un des élèves? On a la waiting room, on est venu là côté. Allez, on va être oublié là, c'est bon. Allez, on va aller plus join là. On va être oublié, c'est bon. Faut des mots oubliés, mon cas join. Ok. Espérer les join. Allez, nous continuons nos questions à l'examen parce que les questions sont intéressantes. Bon, on va trouver en cause les béantans. Les objets reconnectés, on va voir qu'on est qu'ils ont besoin de faire. Ok, les temps peuvent aller seulement. Ok, nous continuons. On continue avec mon papier d'examen. Voilà. Bon, là-dedans, ce qui est arrivé, c'est division par, veut dire, on fait right shift, right, veut dire division. Division par 2. Ça, qu'une place, veut dire, 56. Veut dire, 112 divisé par 2, 56. Correct? Veut dire, on shift T.
2056 réponse non. They just shifted to the right. Original number, the division. Division, yeah, division. Still, the effect of shifting to the right has on the original binary number part E, with the division. Correct? Allez, vous avez suivi moi là? On a causé les Bertan? Si pas Bertan, nous continuons. 10 minutes restées là, nos classes pour finir là. Hein? Ok, si vous ratez une rentrée, ouais. Allez, nous vous avez dans encore une question d'examen, nous pouvez comment vous allez faire. Mais là, nous obligez de continuer la question là pour que finir ça là. Hein? Voilà. Maintenant, nous prenons la question de l'examen là. The original number part A is shifted. Ah, get ça. Three places to the right. Qui veut dire three places to the right? Original number is 112. Divisé par combien c'est? To the right. Divisé ça. Two to the power of three. Tu te rappelles, on dit three places. C'est two to the power of three. Veut dire 112 divisé par combien? 2 fois 2 fait 4 fois 2 fait 8. Veut dire 112 divisé par 8, non? Voici 3 places to the right. Bon là. Division par tout ça par 3. Veut dire 8. Veut dire 112 divisé par 8. Réponse m'a 14. Ok? Allez, nous avons un coup de N. D, 4, 8, 16. 14, c'est. 8 4D 0 0 0 0 0 veut dire que ça est arrivé là. Ça c'est 64 là, là. 64 là côté l'invini living code 8 de là. Ça 30 là côté l'invini living code 4. Mais comment 64 vin code 8? 64 divisé par 8 comme il fait 64 divisé par 8 il fait à 8. Ouais, 32 divisé par 8, il fait à 4. Et ça, 16 là divisé par 8, il fait à 10. Voilà, il shifté tout ce bon bit là, 3 places to the right. Je veux dire division par 8. Mais si dans l'examen, je sens cette question là, je veux dire shifté, je veux pas dire free place, je veux dire 4 places. Je veux ça corrige ça. Là, qu'est-ce que tu veux faire? 112 divisé par tout ce par 4. Ouais, tout ce par 4, c'est ce que tu veux faire. Je veux dire 112 divisé par 16. Divisé par 16. Comment il fait 112 divisé par 16. 112. 112 divisé par 16, réponse 7. Bon, là, tout ce bit là, tu peux 12. Ah, tu peux venir là. Tu peux N, N, N. Vous devez là, tu peux 7, ça, ça vient 0, 0, 0, 0, 0. Je comprends, dans l'examen, il y a 100, il n'y a pas 3 places, il y a 4 places. Correct? Maintenant, elle nous a fait. India to the right. Dans l'examen, qui est-ce qu'il y a? Left. Left, il va être une division. Là. Qui est-ce qu'il y a? Multiplication. Allez, correct, là, on explique bien, on fait un numéro. Dans le test, mon professeur pour donner ça. Il fait une manière de travailler bien. Pas 4 mots réputation. Et M. Radas, on va par contre, travail. Et là, on explique shifting bien. Et tu rappelles la paint, là, moi, tu fais une jolie, ça, on explique. Maintenant, ça, c'est réponse. Right, équivalent d'inerie. D'inerie, il y a 14. Là. Tous les élèves connaissent 8, 4. Avec 2. 8, 4 avec 2 fait 14. Bon, describe the problem that could cause. Qui problème qui est arrivé? Then shift 5 places to the right. Ah, qui est arrivé là? C'est ça le problème là. 5 places to the right. Correct? Qui peut arriver, les enfants? Faites-moi mot de autres, qui peut arriver? Nous venons là. Si nous bougeons 5 places to the right, qui est arrivé là? Et que ça n'a qu'à pas dire moi qui peut arriver là. Ouais, ben valait pour perdre. Il vous tombe en dehors registre là. Get ça. C'est même appelle ça un underflow. Allez, get la get qui est arrivé là. Hein? Get ça N là. Il peut bouger 5 places to the left. Veut dire N, D, 3, 4, 5. Veut dire ça N là pour venir. Pour venir si jamais tu as envie de faire résister là comme ça. Qui est arrivé là? Hein? Suis ça bien. Ça N là, ça, il vous tombe en dehors. Et ça, l'autre N là, il vient là. L'autre N là, il vient là. Veut dire, il y a un N qui tombe en dehors. Correct? Veut dire, réponse qui est arrivée. N, D. Veut dire, il vient 3. Veut dire, là où il est 112 divisé par tout the power of 5 bits, non?
il dit qu'il y a une réponse 3. Il n'est pas supposé qu'il y a 3. Il veut dire 112 divisé par. Tout ça par 5, combien 32. Ouais. 112 divisé par 32. Il n'est pas payé un correct answer. Il veut dire 112 divisé par 32. 3.5. Il veut dire qu'il n'est pas qu'à représenter dans nos registres. Et ici, là, nous avons 10 3. Nous avons perdu. Nous avons perdu valeur. Je vais dire qui se l'est fait. Describe the problem. Problem, c'est nous avons perdu précision. Nous avons perdu un bit. Un bit là, béton mordé. Voilà. Maintenant, nous pouvons arrêter la même là, qu'il y a là. Ouais, nous pouvons arrêter la même. Nous vous causons aux autres. Nous avons combien d'élèves nous suivent. Là, nous pouvons arrêter ça. Recording là, entièrement. Ouais, nous pouvons avoir les autres ça en vidéo là. On a besoin d'un peu de voir, nous pourrons corriger des voix là. Voilà, recording là, nous pouvons arrêter là. Qui est arrivé là? Oh, une freeze. Allez. Ouais, voilà, mon collègue est arrêté là. Hein?